Monsieur Huchkaz, racontez-nous votre premier trotteur. Mon premier trotteur, j'étais associé avec un cheval qui s'appelait Dwyton Carbeck, qui était entraîné chez monsieur Jean-Claude Billard à Grosbois. Et là, ça a été mes premières émotions de voir son cheval courir. Là, ce cheval-là ne courait pas sous mes couleurs, mais sous les couleurs de mon associé. Et c'était une émotion vraiment. Il a fait deuxième place à Vincennes. Enfin, il s'est distingué en province. C'était quelque chose de vraiment émouvant. Justement, quelle est votre plus grande émotion dans votre carrière de propriétaire ? Alors, la plus grande émotion en carrière de propriétaire, c'est qu'un jour, j'ai décidé de prendre une licence d'amateur. Et j'ai couru en amateur à Saint-Omer, ça a été le jour de ma première victoire, qui était le 1er mai 2004. Et là, ça a été une émotion que je n'ai pas ressentie sur le moment, mais quelques jours après. Ça a été vraiment le fait d'être sur le sulky, d'avoir cette sensation d'avoir les concurrents derrière soi, pour une fois. C'est vraiment un moment d'émotion qui est inexplicable, quoi. Voilà. Merci. Ben, je vous remercie.